Dernière nouvelle 24 heures. Le Monde 19/4, 2018 à 13h40. Ayant eu sa voiture cambriolée dans la nuit de samedi à dimanche, Hendaï Harry s'est retrouvé sans argent, sans papier, sans vêtements, avec seulement mon téléphone. Après avoir voulu porter plainte dans un premier commissariat, elle a été renvoyée sur un autre commissariat qui a finalement accepté de prendre sa plainte. Je leur ai tout raconté, ce que contenait ma voiture, la perte de mes papiers, de mon argent. J'étais en panique, épuisée, ne sachant pas où dormir, sans argent. À l'issue de l'entretien, elle demande à être raccompagnée jusqu'à sa voiture. Je n'ai pas un centime et je ne veux pas prendre le métro car on m'y reconnaît trop facilement. Non, vous y allez toute seule, on n'a pas d'équipe, là, me rétorque-t-il. Terriblement vulnérable, lundi matin, Hendaï Harry reçoit l'appel d'un commissaire qui s'excuse de l'accueil qu'elle a reçu, lui assurant « Vous êtes prise en charge, maintenant, nous allons vous accompagner ». Mardi matin, une partie de ses affaires sont retrouvées chez un des deux hommes en garde à vue au commissariat de Stain. À la question de savoir si ce cambriolage avait à voir avec sa plainte contre l'islamologue suisse, elle répond « Impossible de le savoir pour l'instant ». L'un des deux prévenus a dit aux policiers me connaître personnellement. Mais, pour l'instant, aucune information ne vient le confirmer. Hendaï Harry a reçu un message de soutien de Marlène Schiappa, Valérie Pécresse ainsi que de Laurent Wauquiez qui a demandé à la rencontrer. Elle dit se sentir terriblement vulnérable et affirme « Pour moi, la rue est devenue un espace de danger. Je demande une protection policière d'urgence, je suis à bout ». Lire aussi, Hendaï Harry, « Chaque femme doit trouver le courage de prendre la parole comme j'ai osé le faire ».